y a quelques jours, Franck, mon patron, me convoque dans son bureau. Il a préparé un casting pour découvrir qui sera à mes côtés aux commentaires. Bon, je dois bien le dire, des fois, j'étais un peu surpris. Je pense que ça pourrait faire quelque chose de rigolo. Et c'est pas toujours facile. Tu me rappelles, sinon je te casse la gueule. Mais on cherche toujours. Ah, dis-moi, Philippe, tu serais pas en train de... Ça va, ouais. Tu serais pas en train de chercher quelqu'un pour commenter avec toi, non? Ouais, mais tu sais, Marion, c'est du catch. Bah oui, mais bon, moi, je t'aime bien, je sais que t'es un peu en galère, donc voilà, tu es sport auto, masculin, un peu punchy, tu vois, je connais. Ouais, d'accord, mais enfin là, c'est de la testostérone, ce n'est pas Ecclestone, Firestone... Ouais, ça va, les bagarres sur circuit, les bagarres sur un ring, c'est un peu la même chose, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En plus, ils en font des caisses. Et toi, tu t'y connais en caisse, non? Hein, c'est ta spécialité. Ouais, et puis au niveau carrosserie, ils sont plutôt bien carrossés. Hein. Mais en revanche, rassure-moi, juste une petite précision. Hein. Les catcheurs, on n'est pas obligé de les essayer pour commenter. C'est pas comme à Automoto où on essaye les voitures, hein. C'est bon. Oui, non, mais oui, oui, il n'y aura pas d'essai à faire. Et même pour les interviews, je te rassure, c'est pas confession intime. Non, ça va alors. Quoique. En y réfléchissant bien, il y en a certains, ils mériteraient, ils auraient leur place. Hein. Ce seraient des super persos, hein, parce que maintenant, ils sont un peu... Bon, Marion, le seul souci que j'ai, je pense que tu risques de faire de l'ombre aux divas. Aux divas, tu crois? Oui, vraiment. Tu risques de faire de l'ombre aux divas parce que... T'es une véritable diva, Marion, oui, t'es une diva de la présentation à la télévision française. Oui, bah, arrête un peu, tu vas me gêner, finalement. J'en fais des tonnes. Alors, tu sais ce que je fais? Je vais appeler Stanford. Je leur propose ta candidature, bien sûr, je t'appuie, et puis je te rappelle. Eh bien écoute, avec plaisir, en tout cas moi je suis dispo, si t'as besoin de moi, je suis là. Allez, tu sais quoi? Ça me flique un peu, je trouve. Allez, salut. Merci. Philippe. Merci. Tu me tiens au courant, tu m'appelles. Bien sûr, je te rappelle, il n'y a pas de souci. La suite au prochain numéro. Ah, mais ne comptez pas avoir le numéro de Mario. Hein.